Si vous aimez le lapin, si vous aimez le lapin au pruneau comme Catherine, ouais, c'est le moment de bien écouter. De bien écouter, car on va vous donner les secrets du lapin au pruneau. Enfin, ah ouais. Peut-être un peu revisité, mais ce sera un très bon lapin au pruneau. Là, tu vas m'assaisonner les morceaux au gros sel. On va colorer super bien les morceaux, c'est ce qui va faire que le lapin au pruneau va être bon. Ça chante. Ça va vite chanter. Oh là là, si ça chante alors. Il faut que ça devienne brun, en fait ça s'appelle la réaction Maillard, il faut que, faut que la chair soit caramélisée. Mm-hmm. Parce qu'après quand on va mettre le vin blanc, le jus, etc., ça va fondre. Ouais. Et c'est ce qui va donner ce goût si particulier à la sauce. Oh là là, ça sent bon déjà. On prend du temps là, mais c'est super important. Mm-hmm. C'est ça qui va donner la couleur à la sauce aussi. Là, on va rajouter des petits oignons nouveaux. Ouais. On peut mettre aussi quelques carottes si on veut. Hein. D'accord. Ouais. On va rajouter un petit peu d'ail aussi. Et là, on va mettre des herbes du jardin, ce qu'on a. Là, je vais mettre un peu de marjolaine. Mmh. On va mettre de la sauge, un petit peu de sarriette. Voilà. Là, on est sur quelque chose de bien parfumé. Sympa, hein. Mmh. Là, on a baissé un petit peu le feu. Là. Ouais. On va rajouter un petit peu de piment. Et là, je vais me permettre de rajouter un peu de poivre. Ça donne de la couleur rouge. Légèrement, ça donne une petite teinte rouge. Les légumes sont bien revenus. On va rajouter les pruneaux. Ah, d'accord. Ici, on peut mettre de la farine pour avoir une sauce un petit peu épaisse. C'est pas essentiel d'avoir des sauces épaisses, donc de rajouter de la farine, du féculent, etc. Ouais. Je préfère avoir une sauce un petit peu liquide, mais comme un bouillon un petit peu, d'accord ? D'accord. Un joli vin blanc. Ah, ouais. Et le vin blanc, on va le faire évaporer. Là, le vin blanc, il va apporter de l'acidité à ma recette. Et on va terminer avec un petit bouillon de poule. Alors, si vous n'en avez pas, vous mettez un petit cube. On va couvrir et on va cuire ça pendant 45 minutes à feu doux. Ouais, d'accord. Et c'est fini. Mmh. Super cuit, super... Ouais, ça sent drôlement bien. Hein. Mmh. Alors, on y va, on goûte. Donc là, on a quelque chose de très confit, de donc, très... Donc, c'est du sucré salé. Hein. Oui, un petit d'accord, peu, légèrement. Avec les pruneaux. Quelque chose de très, très confit, très compoté. Mmh. Voilà. Verdict. C'est vraiment très bon. Hein. C'est très fondu comme arôme. On est sur quelque chose de très compoté. Ouais, c'est fin. Il y a un petit goût des pruneaux. Je crois que je vais tout manger. Bon. Mmh.